Alors, toujours avec les repères commentés désactivés, puisque dans le cas d'une forme unique comme ceci, ils ne servent pas, c'est quand on a plusieurs formes qui vont servir. Repères commentés, vous n'avez pas le petit V en face du menu affichage. Je vous montre ici, ne le faites pas, c'est un truc évident, mais je vous le montre quand même. Je vais tracer, et là je vais passer en affichage par contour, CTRL Y. Je vais tracer un rectangle donc pour la largeur. Pour avoir la largeur, voilà. Je vais aller le placer ici, le tourner en enfonçant la touche majuscule. Je lâche le bouton à souris, voilà, puis je vais le mettre ici. Et j'ai la possibilité d'aller bouger les deux points ici, clic, majuscule, clic, de manière à ce que la largeur ici soit identique à la largeur ici et là. Ça, je vous laisserai faire plus tard. On ne va pas le faire maintenant. Mais c'est évident que le rectangle, en le tournant, il peut aussi servir pour faire des largeurs qui sont dans l'autre sens. Alors, CTRL Y, je repasse en affichage aperçu. Et là, on va faire la suite ensemble.